Bonjour tout le monde, c'est le Caribou Canadien qui vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien aller. On continue l'aventure du jeu Sherlock Holmes, Crime and Punishment, live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! You met Patrick Cairns, the harpooner. Vous avez rencontré Patrick Cairns, le harponneur. Pensez-vous que c'est lui le meurtrier? You met Pat. C'est une bonne question. A map of London and the... Salut Gwen. Patrick Kane était un harponneur professionnel comme bon nombre de marins. C'est un fumeur en série. Donc... Enquêté sur le meurtre de Peter Carey. John Nelligan n'est visiblement pas un voleur ordinaire. Quel est son rôle là-dedans? C'est excellent, merci. Bon, je suis un peu mélangé, là. Quelques jours, on n'a pas joué, donc je suis pas très sûr à quel endroit aller. Un pleur, leave me alone, please. Laissez-moi seul, s'il vous plaît. Leave me alone, please. Ben, si t'arrêtes pas de pleurer. Leave me alone. Oui, je te le Leave me alone. Cadavre est enlevé, finalement. The sea. C'est elle qui l'a tué. Tooth of a sperm whale, probably from one. Apparemment, peut-être faut que je fouille dans ces fichiers à la maison. C'est là que je devrais aller en premier. S'il n'y a rien dans les fichiers, faut que je revienne à la prison parler avec le garçon de lui qui a disparu. Bon. My archive. I can always...
This is where I keep my post. Yeah. My archive. I can always consult with it if needed. Et ça c'est terminé. My archive. I can always consult with it if needed. Oh. Serpent d'Octobre chevronné est retrouvé dans la misère par manque de travail. Il passe le plus clair de 100 ans dans les marins. Il gagne un peu d'argent en bras de fer, comme beaucoup de ses confrères. C'est un gros fumeur. Dans un test, c'est doigt jauni. On s'en fout. J'avais sûrement recueilli des informations que j'ai oubliées depuis. Bon, les personnes là, à qui je vais parler, ils sont trop là-dedans. William, John Nilligan. What am I doing here? I've done nothing wrong. J'ai rien fait de mal. What am I? Ok, je parle à lui. Mr. Holmes. Non. I'm not saying another word. Je clique là. Bon, il veut plus me parler. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? What am I doing here? I've done nothing wrong. I'm not saying another word. Mr. Holmes. La relation de William Hurley entretenue avec Judith Carey lui donne un mobile pour tuer Perry. La présence de Hurley Woodman Lee la nuit du meurtre explique son affection envers Judith Carey, son poste de jardinier. Ok. Kane confirme que la bague des témoins lui appartenait, c'est donc qu'il était sur les lieux du meurtre, mais ce n'est pas forcément lui le meurtrier. Kane confirme la bague, donc s'il était sur les lieux du meurtre, c'est qu'il lui coupable, pas nécessairement. Il faut une force bien supérieure au commun des mortels. La tentative d'infection visait à récupérer le calepin qui baignait dans le sang de la victime. L'auteur de cette tentative pourrait bien être le meurtrier. Ok. Nous avons la confirmation que William Huntley furtait avec la femme. Donc il était tombé amoureux, toutefois leur idylle s'en est tenue à une simple lettre des paroles. Les éditions sont devenues rouges car elles sont contradictoires. Ok, je comprends. Mmh.
titre de la créance émise par le Canadian Pacific Railway trouvé dans les journaux de bord du CLCN. La place des pages arrachées, d'où? Ok, qu'est-ce que je fais avec ça? Peter Carey tentait de simuler le meurtre du père John Hennigan. Comment avance l'enquête, monsieur? On a une idée sur l'entrée de nos pieds. Yes, sir, Turbo. These are the suspect's belongings. Pen. These are the suspect's belongings. I wonder if these are connected. Je me demande s'il y a un lien entre les deux. Entre les deux. Ah. CP? Es-tu un CP quelque part? CPR? CPR. Nous avons la preuve que le document de Nelligan était bien là. Or, il semble avoir disparu. Oh, on est en train de débloquer. Comme chauffe dans le site JHN. Ok, document manquant. La tentative d'infraction. Récupérer le calepin. Les tentatives d'infraction visant à récupérer le calepin qui baignait dans le sang de la victime. L'auteur de cette tentative pourrait bien être le meurtrier. Nelligan cherchait le document de son père dans la cabane depuis tout le noir, d'où sa présence sur les lieux du crime. Je suis mêlé. Ok. Comment c'est qui est qui? Déjà là, ça. Une petite rémémoration. Là. Bon. Toi, t'es early. C'est lui qui est en amour avec la femme. C'est le jardinier aussi. Toi. T'es lui que le père a disparu. Please escort this suspect. For interrogation. Bon, là on peut. Comment ça va, mon turbo? J'ai déjà tout fait ça dans le petit. Bon. Tell me, Mr. Nelligan, dites-moi, Monsieur Nelligan, que cherchez-vous juste dans la cabane de Peter Carey? Des informations sur mon père. I was trying to find some information about my father. Non, j'ai cliqué sur quoi je devais pas. Tell me, Mr. I was trying to find some information about my father. Couteau aiguisé, gravure, obligation, la bague à tabac, hein?
l'obligation. Vous aviez, j'imagine, un autre objectif, récupérer les obligations. Oui, j'ai découvert récemment que quelques actions disparues avaient refait surface sur le marché londonien. Imaginez ma stupeur. J'ai passé des mois pour remonter jusqu'à la source et découvrir l'identité du vendeur, le capitaine Peter Carey. Ces documents appartenaient à ma famille, mais je ne les ai pas trouvés. That's all for now. Ce sera tout pour l'instant. I will see you soon, young man. Je vous verrai bientôt, jeune homme. Puis toi, I'm not saying another word. Qu'est-ce que j'ai à dire? La disparition de la boîte à étain et le document manquant. OK, qu'est-ce que ça dit? La boîte à étain volée contenait des titres de créances précieux. OK. OK. Mais ici, la tentative d'infraction visait à récupérer le calepin qui baignait dans le sang. L'auteur sentait qu'il pourrait bien être le meurtrier. Nelligan cherchait le document de son père dans la caverne Pitona, d'où la présence sur le lieu du crime. Il est possible que John Nelligan ait été pris en train de voler les obligations, ce qui l'aurait poussé à tuer Peter Carey. John Nelligan est victime d'un concours de circonstances. Il ne correspond ni au physique, ni à la psychologie, au portrait du meurtrier. OK. Cependant, si je mets ça de même... Non. J'ai plus d'indices. Wow! Qu'est-ce que j'ai touché? Kent confirme que la baguette volée lui appartient, donc il était sur les lieux du meurtre et c'est lui le coupable. Titre volé. La boîte est involée contenant des titres créancières. Il faut une force supérieure. Dans l'autre, il était capable de le tuer. Kane est le coupable. Dans le pêcheur, serait le coupable. Peter Carey a été tué par Patrick Kane, harponneur professionnel, dont la bague à tabac a été trouvée dans le cabane de Carey. Patrick Kane est un meurtrier de sang-froid. Il a été reconnu coupable de l'assassinat de Peter Carey. Doit être condamné. Patrick Kane a tué Peter Carey, mais ce meurtre n'était pas prémédité. Il s'agissait d'un état de légitime défense face au marin Yves, armé irrationnel. Oh! Ça va bien, Turbo. Merci. Faut lire qu'est-ce qu'on a discuté. Plusieurs obligations avaient été apportées par le père de Nelligan ont été retrouvées dans la cabane de Peter Carey. Patrick Kane me raconte qu'en août 83, il avait vu Peter Carey jeter un homme par-dessus le bord, celui-là même qui avait été secouru la nuit. Précédemment, il ne pouvait s'agir que de Joshua Nelligan. Selon toi, Gwen. Est-ce que, si tu veux, oui, non, j'ai perdu ma blague, je sais pas où. Mais c'est quoi ça? C'est la tienne, ça, alors. Mais oui, bon, il faut que j'y aille. Je connais le capitaine qui prépare une expédition. Selon toi, Gwen, il l'a fait exprès ou pas? Patrick Kane est un meurtrier de sang-froid. Il a été reconnu coupable de l'assassinat de Peter Carey et doit être condamné. Patrick Kane a tué Peter Carey. Mais c'est ça, c'est le capitaine. Kane, c'est lui. Mais ce meurtre n'était pas prémédité, il s'agissait d'un état légitime. Ah non, 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 je pense pas que c'est une légitime défense. Ben. Non, je crois pas.
Confirmez votre choix. Trop tard. On ne peut plus reculer. T'aurais du sens tes mains, Gwen. Le lendemain. Monsieur Holmes, auriez-vous l'obligeance de m'expliquer? Comme vous je l'ai dit, en chemin, Patrick Kane est le meurtrier de Peter Lenoir. Et pourquoi m'amener ici? Ne vaudrait-il pas mieux que nous partions sur ses traces? Ce serait furtif, puisqu'il nous rejoindra dans environ 12 secondes. Si vous trouvez ça drôle... Non, je viens d'entendre la porte d'entrée, préparez-vous. Bonjour, monsieur. Un garçon m'a remis une note du capitaine Ahab. Suis-je à la bonne adresse? Tout à fait, mais la place de votre capitaine, je vous présente l'inspecteur Lestrade de Scotland Yard. Alors? Alors, mon ami, vous êtes arrêté pour le meurtre de Peter Lenoir. Quoi? Un piège? Vous pensez pouvoir me prendre? Alors, inutile d'en venir aux mains. Plus qu'utile, au contraire. Zut. Oh, je sais pas quoi faire, moi, là. Hey, mais tu me dis pas quoi faire. Ben ouais, mais tu... Il m'explique pas le combat avant. Il s'est échappé. Hélas, oui. Je vous croyais bon boxeur, mais finalement, il vous reste du chemin à faire. Comment va mon choix, inspecteur? Ça va, monsieur Holmes, tout ceci est de votre faute. Vous auriez dû m'avertir, j'aurais appelé les renforts. Ok, si Ken ne serait pas rentré. C'est possible, je vous laisse, monsieur Holmes. Avec un habit de recherche, le film n'ira pas bien loin. Ouais, mais tu, faut que tu m'expliques. D'habitude, il m'explique comment faire. Peter Carey a été assassiné par Patrick Kane. Un poneur professionnel seul à même de porter un coup aussi précis et dont la bague à tabac a été retrouvée dans la cabane de Carey. C'est un meurtrier de sang-froid. J'ai décidé de le livrer à la justice. Indice trouvé 16. Conclusion, Kane est coupable. Choix moral, condamner Kane. Maintenir pour montrer vos résultats, pour gâcher votre expérience de jeu. Peu gâché. Changer d'avis, classer l'affaire. Pourquoi maintenir pour... Classer l'affaire. Attention, en terminant ce cas, vous effacez les sauvegardes de ce chapitre. Choisissez non pour essayer une autre fin ou oui, si votre choix vous convient et que vous êtes prêt à commencer une nouvelle enquête. Votre éthique intègre. L'icône de déduction apparaît quand vous trouvez un nouvel indice. Bon, ben, mission terminée. Cette partie de la campagne vous fera le plus grand bien, Holmes. Moi qui suis votre ami et votre médecin, je vous conseille ardemment de changer les idées. Respirez l'air frais, partez en promenade, observez les oiseaux, coupez du bois. Ça me paraît intolérable, tout à fait réjouissant. Mais vous n'avez pas parlé de votre ami, celui qui nous allons rendre visite. C'est un amateur d'abeilles. D'abeilles, un apiculteur. Ça doit être M. Hudson qui apporte les petites laines que je lui ai demandées. Vous avez un visiteur, M. Holmes. Je n'ai pas le temps. Veuillez le renvoyer. Oui, Holmes. Nous devons partir sans tarder. Son frère?
Mycroft. Ah ah, je suis bon, hein. Sherlock. Sherlock Holmes. Oh, Mr. Holmes? Vous ne vous souvenez peut-être pas de moi, Dr. Watson. Nous nous sommes rencontrés au club Diogène il y a quelques années. Diogenes Club a few years ago. I documented our encounter in a short story. J'ai notre rencontre dans une nouvelle que j'ai baptisée l'interprète grec. He does remember bien sûr you, qu'il se souvient de vous, Watson. My brother remembers everything, and that is why he is so valuable to the government. Besoin de lui. We are about to depart for the nous apprêtions à partir, je sais. You know. Vous savez, Sherlock, j'ai besoin de votre aide. En ce moment même, des individus menacent notre pays jusqu'à la couronne. Mettez vos méthodes south. À disposition. You must help us with those methods of yours. Need besoin help. D'aide. Voilà bien des mots que je vous aurais apprêté, Mycroft. Je vous ai écrit une lettre, mais vous n'avez pas répondu. Pourtant, il n'est pas question de politique, mais d'individus. Des individus semblables à ceux que vous faites mine de défendre dans vos historiellettes de détective avec vous, Mycroft. Toutes les questions de politique, ça ne m'intéresse pas. Confiez cette mission à l'un de vos agents, Bourdouze Pire. You are defending your les individus sont pour parler dans votre or, s'ils n'ont pas grand-chose à voir avec ceux que j'ai choisi d'aider. Justement, vous pensez exactement comme eux. Exactly as they do. Who are qui ça, they? Eux? The Merry Men. Les Merry Men, c'est un groupe de terroristes idéalistes. A band of idealistic terrorists. Sherlock, Sherlock, songez-y. Ils forment un complot diabolique. Votre pays a besoin de vous. Your country needs you. You need me, Mycroft. C'est vous qui avez besoin de moi, Mycroft. Oh, vous n'êtes pas mon pays. Although, cela dit, si votre tour de taille continue à augmenter, Monsieur Hudson, inutile de s'enveloter. Dr. Watson, c'est pour ça le contrôleur de M. Parker est averti de vous augmenter 7 minutes de retard. Vous êtes dans le quatrième wagon en train de vous attendra. Sherlock. Profitez bien de votre séjour dans le Staffordshire et daignez de moins de m'écrire à votre tour. Bon. Holmes, please call a cab while I pack my suitcase. We should be late for the train. Je fais ma valise. Nous avons manqué le train. Je dois juste répondre 2 secondes au téléphone. C'était tout pour l'aventure du jeu. Sherlock Holmes, Crime and Punishment, live sur la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah!